Que je ne vois pas du tout les cœurs. Donc mettez beaucoup de cœurs, mettez beaucoup de likes, cliquez sur la cloche de notification. Voilà. Voilà. Cliquez, voilà, mettez beaucoup de cœurs, mettez les commentaires pour que ça monte. Mettez les commentaires, partagez le direct. On va atteindre la barre de 5000 partages tout à l'heure. Parce qu'il est cassé Facebook. Il a dit que je suis le Messie, allez là. Je ne sors pas pour ne pas sortir. Il a dit que je ne sors pas pour ne rien dire. Voilà, si j'avais de danser, je mets la caméra et danse. Si j'avais de cater, je mets la caméra, je cate. Mais quand il cate des personnalités, c'est que c'est pour fracasser Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct parce que la page est très, très attaquée. Moi, ma page est en mode rouge. Ma page est en mode gâté, gâté. Voilà. A quelqu'un qui dit, tu vas bien t'habiller, chienne, imbécile, ton bas bien. Je suis bien habillé. Ah. Au passage, il va dormir.
va dormir. N'importe quoi, bien t'habiller. Toujours. Regardez, regardez le directeur. Regarde dans la barre des 5000 partages. 5000 partages. Où il y a qu'à Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. N'y a un tout. Et regarde les partages. Hein. Direct. Non, sérieux, tu sais pas quelle tête de moi, ça fait rien au direct. Hein? Point rien. Il y a quelqu'un qui vient de m'insulter, point rien. Hein? Je te bloque parce que toi, tu n'as pas longue vie sur mon direct. Bloquer les têtes de mort. Admis, tu es où? Bloque les têtes de mort. Attendez, j'ai appelé mon admis. Bloquer les têtes de mort. Ne riez même pas, elle est âme. Ne riez même pas, elle est âme. Coucou, je suis en direct, je suis en direct, sortez, je suis en direct. Putain. Elle est où, la team? Attends, je vais appeler mon admin. Admin, tu es où? On doit courir derrière tes testacloïs. Partagez le direct massivement. On doit être là-bas les 5000 partages. Il est toi cassé. Pas caméra, pardon. Cette couleur, ça donnait ça. Voilà, ce sont mes cheveux, mes bébés. Ça commence à traîner un peu plus. À 17h, je suis allée faire mon vaccin pour le Covid. Je suis à ma troisième dose de Covid, donc je suis open pour 6 mois. Voilà, Covid, ça fait sexy, hein, le truc là. Partagez le direct. Partagez le direct. Nous sommes à 900 partagés, 5000 partagés. Vous dormez, ouais, vous baisez. On dit partagez le direct, on va partager le direct. Partagez-nous les bêtises. Hein? Partagez le direct. Je vais me présenter dans quelques minutes. Actuellement, c'est la présentation qui est la présentation des 5 étoiles la plus le dessus de Facebook. Présentation de ça. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Vous savez que la page est restreinte. Partagez le direct. Bon. Il nous reste encore 4 000, nous sommes à 1000 partages, il nous reste encore 4000 partages, voilà. En attendant, je vais me présenter, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis Leslie 5 étoiles, voilà, mon père est bêté, ma mère est bêté, celui qui n'est pas content, il se fait foutre.
Il a vécu au Mali, c'est pour ça qu'il parle beaucoup. Il sait parler le Bambara mieux que le Bété. Donc, partagez le direct. J'ai vu des vidéos depuis hier, mais j'ai mis pause parce que moi, je suis quelqu'un. J'aime regarder le game de près comme de loin. Voilà. Hier, j'étais super fatiguée. On est quitté chez mon vieux père Vino, l'ambassadeur, qui m'a fait un vrai placali à sa femme. Voilà. On a bien mangé, a bu champagne. Donc, le temps de rentrer à la maison, je suis fatiguée. Je voulais faire un direct. Il dit non, vous ne me payez pas. Vous avez pleuré au téléphone. Il dit, oh, c'est pas vous qui me payez, c'est Facebook qui me paye. Voilà, vous êtes des spectateurs gratuits. Donc, arrêtez de me manquer le respect quand vous dormez. Laissez-moi dormir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, hier, j'ai dormi. Bon, avant de m'endormir, moi, j'ai vu des vidéos. Oh, oh, machin, machin. Ce matin, j'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos. On dit que Pasta, ma cause, en train de demander pardon. Où on dit qu'on est en train de demander pardon. Il va faire vidéo dans la rue, il prend 2-3 jeunes, il fait vidéo, il se met en genoux. Pourquoi ne pas aller au marché d'Abobo? Pourquoi ne pas aller au marché d'Adjamé pour aller demander pardon? Ça, c'est une petite question, une petite parenthèse. Aucun Ivoirien ne te déteste, Makos, il faut le savoir. Mais tu t'es pris pour les dieux du monde. Tu t'es pris pour les dieux des Ivoiriens sur Facebook. Mais tu as oublié qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait. Tu as oublié qu'il y avait les nouvelles petites fleurs qui étaient sorties de la terre qui arrivait. Tu pensais que tu allais rester et demeurer le Daesh de Facebook. Mais tu as compris aujourd'hui que ni toi, ni tes soeurs, ni ta bande de microbes que tu appelles l'élevage, vous tous, la personne, vous êtes tous tombés, personne ne parle de vous. Voilà. Aujourd'hui, tu veux profiter de ça pour régler tes comptes. Oui, tu veux profiter de cette histoire quand tu vas au Cameroun pour régler tes comptes. Mais moi, je vais dire aux Ivoiriens pourquoi tu allais au Cameroun. C'est le but du direct. Il a dit, taguez-moi Didier Drogba. Moi, elle a tagué, mais taguez Didier Drogba. Taguez Samuel Eto'o. Oui, et puis taguer Pasta Macron, dis-lui de s'asseoir, il va écouter ce que j'ai à dire. Personnellement, il m'en bat les couilles de dire aux gens, allez-y vous désabonner, des fesses, c'est Simon, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, ce que tu es parti faire là. Il a dit ça aujourd'hui là. Pas la dernière fois, on t'a mis papa, papa, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Aujourd'hui, il a reçu un coup du fil. Oui, un coup de fil d'un proche de Samuel Eto'o. On va pas ficher le numéro. Quand il dit court fil proche, ça s'appelle vidéo fa fa. Si il te dit le nom de la personne, tu as attrapé ta tête. Moi-même, quand la personne m'appelait, mon cœur est coupé. Oui. Mon cœur est coupé. Il dit, on va porter plein d'eau, je suis foutu. Mais quand j'ai vu que là, ma personne m'a parlé, mon frère, tu n'es plus rien. Oui. Actuellement, les vraies pépites, les vraies stars que Ado regarde, que Adou Richard regarde, que Drogba regarde, la personne que Samuel Eto'o regarde à l'aile, elle s'appelle Leslie 5 étoiles. Le reste, c'est les vonvons. Le reste, c'est les... C'est-à-dire, après moi, c'est le village, au fait. Après moi, c'est le caniveau. Après moi, c'est les vonvons. Après moi, c'est les mouches sincères. Après moi, c'est le porc épic. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ma boss son vrai voyage au Cameroun. Petit bien mon pantalon, parce que le tout-ci. C'est le vrai tout. Le tout, c'est le vrai chat. C'est le vrai chat. Chat, c'est le vrai chat. Ça va y aller. Ça va y aller. Ça va y aller. On allait faire vaccin Covid. La première fois qu'on a fait, votre boy était tombé un peu malade. Moi, ça m'a fait comme s'il était bourré, fatigué. Mais au-dessus, là, il suis chaudasse. Bon, après, c'est pas ce qui va se passer. Mais lui, ça lui fait comme ça m'a fait la première fois. Il est fatigué. Il parle pas. Vous n'allez pas attendre votre beau. Hein. Allez, allez, devant ses téléphones, on dirait qu'il y a dormi. Bipez-moi Samuel Eto'o. Bipez-moi Samuel Eto'o. Bipez-moi Papa Eto'o fils. Bipez-moi Daï Zoko. Didier Drogba. Bon, de toute façon, ma conseil n'a pas besoin de le biper. C'est rien, en fait. Lui, c'est rien. Lui, c'est la souris de l'église. Allez, il dit le souris, vous allez moquer de moi. C'est la souris de l'église. Bipez-moi Daï Zoko. Daï Zoko. La fierté de la Côte d'Ivoire. La fierté de toute l'Afrique. C'est-à-dire que je vous serai dégoûté de ce spécimen qu'on appelle Makoso ce soir. Bipez-moi Samuel Eto'o. Maf! Il dit qu'on m'appelle.
appelé mon qui a coupé. Hein? Mais tu ris pourquoi? Tu te moques de moi. Va boss, se moque de moi. Mais tu ris pourquoi? Donc, il dit c'est un là qui fait rire. Faut d'ici que vaccin de Covid a été monté dans ta tête. C'est tout. Alors, je vais pas me représenter. Hein. Je vais vous expliquer en long et en large. J'ai besoin que vous sécurisez le direct. Mettez beaucoup de cœur, mettez assez de cœur et puis partagez le direct. Nous étions tous là quand Côte d'Ivoire a échoué. Quand les Camerounais ont appris l'hymne national, quand les Ivoiriens ont supporté Comore, c'est parti en couille. Ça s'insultait les présidents, ça s'insultait les députés, ça s'insultait les filles, ça s'insultait les influenceurs, ça s'insultait les blogueurs. Bon, mettez dans la cadence, on a dansé sur Facebook. Voilà comment, je vous avais dit la dernière fois que c'était grâce à, comment il s'appelle, Stifa, qu'il avait eu le numéro de, comment il s'appelle, pas Eto. Je vous explique la vraie version du film. Source sûre, proche, 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 très proche de pas, ça met le taux. Ça chauffe même pas. C'est une source sûre, proche, 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 très proche de pas, ça met le taux. C'est comme ça que Makoso, vous savez que sur Facebook, il y a des comités de blogueurs, il y a la Libias, il y a beaucoup de comités. Moi, je ne fais pas partie d'un comité, moi, je suis seule, avec mes pots de fleurs, avec mon verre, avec ma bière. Avec ma télé, avec mes abonnés, je ne suis pas dans le groupe de quelqu'un. Donc ne vendez même pas mon âme là-bas. Ne vendez pas mon image. C'est moi, je suis seul. Je suis seul. Je ne suis pas d'un groupe. Donc quand les gens viennent vous voir là, qui est-ce que les filles, elles nous disent que les filles n'est pas avec vous. Je ne suis pas avec quelqu'un. Vous vous rappelez ici que cette histoire commence à déclencher. Dja Makoso, il y a longtemps, il voulait voir Samuel Eto'o. Je vous parle calmement et posément, ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles, dans vos yukuri. Samuel Eto'o, il voulait longtemps voulait voir Samuel Eto'o. Son but, il voulait que Samuel Eto'o le parraine pour la Libias. Vous comprenez, Jean-Samuel Eto'o n'a pas fait une vidéo, mais Samuel Eto'o n'a pas fait un post pour dire je suis parrain de la Libias. Il y a longtemps chez Samuel Eto'o ne lui donnait pas l'heure. En passant par Stifa, Samuel Eto'o avait déjà refusé depuis. Donc maintenant, il fait croire comme quoi Samuel Eto'o l'a invité pour aller finir par la Côte d'Ivoire Cameroun, par la virtuelle. Le gars n'est pas parti. Vous les Camerounais qui sont en train de suivre Makoso pour dire que oh, les Ivoiriens sont en train de se désabonner de sa page. Et les Ivoiriens sont méchants. Vous allez voir son vrai visage aujourd'hui. Makoso, c'est un arriviste. Makoso là, il s'en fout d'un Camerounais. Il s'en fout d'un Ivoirien. Makoso pense qu'à lui et sa gueule. Vous comprenez mes chers frères et sœurs? Makoso s'est déplacé. Quand ça met le taux, il y a eu des mouvements Côte d'Ivoire Cameroun. Vous savez que très bien que Samuel Eto'o là, tous les Camerounais savent, il adore Paul Biya. Il respecte le président camerounais qu'on appelle Paul Biya. Vous comprenez? Donc il n'a pas voulu parler de cette histoire sur Facebook, même pour faire un post. Parce que les Camerounais allaient transformer, les cyberactivistes camerounais allaient transformer cette histoire pour mettre ça en politique. C'est comme ça qu'il n'a rien dit. Donc il s'est dit, en évident, Makoso, ça fait mouvement de paix et tout ça. Le gars m'a dit, effectivement, ça met le tour à payer le billet d'avion et l'hôtel de Makoso. Mais côté gel, c'est pas sûr que Makoso est sorti là-bas avec quelque chose. Je vais vous expliquer ce qu'il a le foutre là-bas comme bordel. Dieu! Tu t'es réveillé à... Ah ouais, pas du domaine. Dieu! J'ai dit, Makoso est quitté à Abidjan. Il est quitté à Abidjan, koyo, 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 dans le but d'aller vendre la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les blogueurs ivoiriens. Je vous explique pas à pas, aujourd'hui, c'est pas pressé, pas trop crié, parce que c'est que moi, je parle, depuis que je suis petite, comme je bégaye quand j'étais petite, ça fait que je parle vite, vite. Voilà. Je parlais pas à pas, c'est le cas rentré de vos yukuri. Quand il est arrivé au Cameroun, au lieu de parler de la paix, comment faire, quelles sont les étapes, quels sont les blogueurs qu'il doit voir, pourquoi on parle de paix sur les réseaux sociaux pour abaisser le cœur des Ivoiriens, des internautes ivoiriens, pour abaisser le cœur des internautes camerounais. Lui, arrivé là-bas, Makoso, c'est ce qu'il a fait. Il n'a même plus parlé de la crise virtuelle qui se passe entre les deux pays. C'est, hey, c'est le gâtéma, gâtéma. Arrivé là-bas, là, il a oublié, vous, les blogs, les
les abonnés camerounais, Makoso vous a oublié. Les Ivoiriens, Makoso vous a oublié. Quand Makoso est arrivé chez Samuel Eto'o, il n'a plus parlé de ce qui se passe sur Facebook. Quand il est arrivé là-bas, là. Quand il est arrivé là-bas, là. Voilà la première des choses qu'il a dit. Vous vous rappelez, maman, Donia Poutou avait publié une photo de certains blogueurs ivoiriens qui sont partis à cause d'une vieille mère qui a relation à Bigan, qui fait partie du comité Mbrakata. Ou à Poutou, pour moi, c'est un comité Mbrakata. Avec une présidente Mbrakata, tous une bande de Mbrakata. Les jeunes qui sont à Bigan, la vieille mère qui est à la base de ce comité, elle a relation à Bigan. Madame Akoum, elle a relation à Bigan. Donc c'est elle. Drogba était à Bidjan, ils ont profité pour aller rendre visite au Drogba avec les deux blogueurs ivoiriens qui font partie du comité des blogueurs. De l'autre côté, parce que moi je ne suis pas dedans. La photo qu'ils ont pris et la vidéo que. Comment il s'appelle Drogba a fait pour dire ah, pour tu national, et puis ah, pour tu a joué dans son direct là. Dans la tête de Makoso, Drogba a parrainé le comité. Dans la tête de Makoso, Drogba a collé son image au comité. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il n'a collé son image à personne. Bientôt, Drogba aura son truc de CAF. De, comment on appelle pour être président là? Il aura besoin de tous les blogueurs. Il ne va pas donner mon salaire à une présidente pas bien pour dire que la cité est dans ton comité. Ou bien un président voleur, non. Ils vont passer par chaque blogueur. Si chacun n'a pas son cachet pour soulever Facebook en sa faveur. Donc, Drogba n'est pas pareil. Donc, dans la tête de Makoso, Drogba est pareil. Du comité des blogueurs influenceurs. Des voisins en face. C'est comme ça qu'il part dans l'intention de marmailler Samuel Eto'o. Vous savez ce qu'il a dit? Samuel Eto'o s'attendait à un homme réfléchi. Samuel Eto'o s'attendait à quelqu'un de, qui a fait la paix, qui va dire oui, mon frère, voilà ce qu'on a fait. On va contacter tel blogueur, on va parler de paix, Côte d'Ivoire, Cameroun. Il n'est pas dit parler de ça. Hein? Il n'est pas dit dire à Samuel Eto'o que Drogba soutient le comité des blogueurs et influenceurs où se trouve Apoutou. Donc, moi, je veux que toi, Samuel Eto'o, tu sois le parrain, tu parraines la Libias. Hey, Dieu. Ah, mettez les directs, mettez les cœurs là. Dieu. C'est le gâtement, gâtement. C'est à tête reposée. C'est à tête reposée. Vous comprenez? Il est parti dans l'intention. Il est sécurisé le direct et les cœurs. La honte de ça. Il est parti dans l'intention de vendre Drogba que son frère. Pour dire Drogba, il est parti dénigrer. Il y a la personne qui m'a appelé en vidéo là. La personne m'a appelé d'abord avec un numéro privé. Il venait, il changeait sa voix. Il ne pouvait pas parler avec quelqu'un comme ça. Il m'a appelé en vidéo. Bedra. WhatsApp a vu à qui j'ai affaire. Si vous dites le nom de la personne, les personnalités vont me fuir. Ce n'est pas les gens qui mettent les gens. Si c'est une relation là, nous tous on a commencé à avoir une relation dans le pays là. Moi, bientôt, moi au Cameroun, je vais me carter dans les hôtels 5 étoiles. Vous comprenez? Gina Lebina Okumabi. Yeah. Mon nouveau nom c'est Gina. Leslie Gina. Leslie Borodo Bago Jiembe Wuline Kofi. C'est comme ça que Makoso commence à dénigrer. Il a commencé à dénigrer Daï Soko. Il a commencé à dénigrer Didier Drogba. Il a commencé à appuyer le coup de Didier Drogba dans le bureau de Samuel Eto'o. Hey. Samuel Eto'o est choqué. La honte de ça. Samuel Eto'o est choqué de voir un pasteur qui est en train de dénigrer, démolir, descendre la légende ivoirienne qui est lui-même son frère. Vous comprenez? C'est comme ça que il dit à Samuel Eto'o, tu vois l'autre comité des blogueurs là, c'est Didier Drogba qui est parrain, donc moi je veux que tu parraines la Libye. Samuel Eto'o dit non, tu es venu ici pour pas qu'on parle de paix et tout ça. Voilà, voilà. Moi, je suis aujourd'hui, j'ai pas le temps avec la FECA foot et tout ça. J'ai vraiment pas le temps. D'accord? J'ai vraiment pas le temps. Donc, moi, tout ce que je voulais, quand vous parlez de paix, c'est pour ça que tu es là, pour qu'on puisse parler et tout, et tout, et tout. Mes chers frères et sœurs, Samuel Eto'o dit non. Tu dis que Didier Drogba est pareil. Donc, ça veut dire que c'est les proches de Samuel Eto'o qui dit non. Le camp, les deux camps ne s'entendent pas. Voilà les membres de la Libye. Ils ont mal cité Poisson. Qu'elle passe son temps à citer les mamans des gens. Ils ont commencé à citer. Que les membres de Libye, c'est que des voleurs, des brigands virtuels, c'est des criminels. Les membres de la Libye, c'est pas, ils n'ont pas une bonne réputation. C'est comme ça qu'ils ont fait le gâtage aussi des membres de la Libye. Déjà, les Akoto Yao de Samuel Eto'o aussi là. Ils sont en faux profil à Facebook.
ils ont commencé à gratter aussi pour la Libyas. Pour dire non, ce qu'il veut créer là, il va te mettre dans la bouche des Ivoiriens. Ça, ça met le gars dit, mais ça, Drogba que tu parles de lui, c'est pas mon ennemi, c'est mon frère. Hey. C'est Samuel Eto'o qui dit, mais Drogba, c'est mon frère. Moi, je ne peux pas parrainer ton truc. Je ne peux pas parrainer votre histoire de Libyas ou être des blogueurs. Non, moi, je ne veux pas coller mon image à ça. Tu es venu ici dans l'intention de parler de paix, trouver des solutions, comment on peut contacter les blogueurs. Il est parti d'abord jetons au nom de la Libyas. Il les a mis sans. Yeah, il les a mis sans. Quand il parle là-bas, il ne parle même pas d'eux. Il dit que c'est lui qui est créateur, fondateur de Libyas. Que tout ce que lui dit, c'est ce que les blogueurs font. Oui. Rien qui laisse la croix sur ton bras, il vient de faire mon vaccin Covid. Tout ce qu'il dit, c'est ce que les blogueurs font. Donc, il est parti dans l'intention de nous vendre et piétiner notre Daesh. Il a dit que notre Daesh au quotidien Drogba, quand il a pris ça, mon cœur voulait quitter en même temps. Ça veut dire qu'il a tapé poteau. Arrivé là-bas, Samuel était en temps très réfléchi, il a tapé 10 bas poteau. Donc, où vous voyez, il faisait direct pour se mettre en genoux là. C'est une manière de racoler Samuel le taux. Il est parti dans les tensions. Il n'est pas parti pour paix. S'il dit ment, il n'a qu'à montrer où ils étaient en réunion et parler de paix, Samuel Eto'o. Il est parti pour que Samuel Eto'o colle leur image à la Libyas. Pour pouvoir naquer les gens. Parce que si Samuel Eto'o colle son image à la Libyas, il peut prendre le nom de Samuel Eto'o pour naquer les gens. Samuel Eto'o l'a montré que lui-même, c'est un grand marmailleur. Donc, ma conso est parti là-bas. Il est sorti Santiago. Hey, comment dit qu'il a tapé Diba Poto là? Yeah. Il a tapé Gaïa Poto. Il n'a pas honte. Il est parti de l'intention de, il dit, de dénigrer les Ivoiriens. Il dit, on va pas laisser les Ivoiriens, on n'a pas venu pour parler de ça. Et on dit les insulter dans le bureau de Samuel Eto'o. Que nous, on est liés, on est des bipolaires. Que tout ce qu'on défend, c'est calmer. Que lui, il est venu là, c'est à cause de mouvement. Samuel Eto'o n'a pas collé son image. Parce que Drogba a collé son image à autre côté. Donc Samuel Eto'o aussi. Il est parti dans l'Est. C'est-à-dire qu'il est dans la guerre pour créer la guerre virtuelle. C'est pour mettre les deux frères en conflit. C'est-à-dire qu'il a fini maintenant quand il voit Cameroun. Hein? Il est parti dans l'intention de mettre Drogba à Samuel Eto'o en parlable. En parlable. Samuel Eto'o qui est réfléchi, qui est intelligent, qui dit non, Drogba c'est mon frère. Moi il ne rentre pas dans ça et toi. Voilà comment il retourne à Bigan Bredouille. Est-ce que tu as dit aux gens de la Libye, est-ce que tu as tapé poteau? Hey! Et puis remarquez bien les systèmes et les stratégies sur Facebook. Malgré qu'ils sont dans un camp, ils sont dans un groupe avec des personnes. Quand sa soeur fait des vidéos là, quand sa soeur fait des vidéos, puis elle parle, écoutez très bien, elle ne fait même pas allusion à la Libyas. Elle ne fait même pas allusion à Batalon, qui est le président de la Libyas. Elle ne fait même pas allusion à Tilapia. Quand sa soeur parle là, elle dit son grand frère et elle. C'est-à-dire Facebook tourne autour des deux. Ils ne donnent même pas. Il rend même pas les autres blogueurs grands. Quand ça se parle dans cette direct, moi j'ai écouté son direct d'aujourd'hui. Il parle même pas des autres, comme dans la Libyas là. C'est comme eux là, ils ont fait une clôture, ils ont versé des moutons dedans. Et dans les moutons, il y a poisson, il y a tilapia, il y a chameau. Et ils sont les plus populaires de la Côte d'Ivoire. Ils sont les stars, ils sont les ceci. Ils parlent même pas des autres. Elle parle de elle et son frère. Ça veut dire elle et son frère. Les gens qui l'ont insulté dans le passé là, c'est ce bétail là qu'ils ont plus ont mis à côté d'eux. Pour ne pas que si c'est gâté là, vous n'allez pas chier. Regardez comment tous les Ivoiriens sont sortis. Mais les deux moutons, ou bien les quatre moutons qui sont dans la Libyas, ils sont là, ils sont pris au piège par Makoso. Il les a enfermés dans Canary. Il les a bénis, il les a enterrés au cimetière. Regardez comment c'est qu'il fait médicament. Il les a babadji, non? Donc, ils sont assis là. Ils sont pris au piège. Même quand Makoso va chier gros caca, ils ne pourront pas parler. Même si Makoso, d'abord, même si on y attend que Makoso a Jack et qu'ils vont venir le supporter. Parce qu'ils ont accepté de rentrer dans son secte vicieux. Ils ont accepté. Le mec qui a accepté de rentrer derrière les nains là. Quand il voit que tu as la grande gueule, il prend ton nom, il t'envoie au Bénin, t'attache. Sa soeur parle que d'eux. Elle parle que d'eux. Elle ne jure que par eux. Elle parle que d'eux. Elle parle même pas des membres de la Libyas. Elle parle même pas des grosses têtes de la Libyas. Vous êtes des moutons à la Libyas. Et ma conso, ça se profite de vous. Par exemple, Tilapia, elle a la grande gueule. Oui. Elle a ses petites visibilités, ses 200 vues à elle. Si Tilapia, elle n'est plus elle, ça ne l'arrange pas. Donc, elle met Tilapia à côté d'elle.
Regardez, quand on dit élection arrive, il va les vendre comme du bétail. Il va manger sur votre dos. Il va manger sur les dos. Il va prendre les millions et les hommes politiques. Et puis il va d'abord sur les dos. Puis il va les mettre sans. C'est ça qui est ça. C'est pas encore fini. Hein. Asseyez-vous, on va rentrer en zone de turbulence. Pause publicitaire pour avoir la très belle perruque de nos soeurs togolaises qui habite en Belgique. Elle le fait avec la main. Voilà, c'est bien léger, bien rempli. Voilà, passez vos commandes. Le numéro sont en bas. Regardez le titre, le dernier numéro qui est en bas avec le lien de son Facebook. Voilà, voilà. Regardez, regardez les traits. C'est bien tressé jusqu'au bout. Moi, c'est les bouts qui me plaisent parce que ça défait, ça se défait pas du tout. Passez vos commandes, voilà. Passez vos commandes, passez vos commandes, passez vos commandes. Nous allons continuer avec la publicité. Alors, avec la gamme Éclat Beauté. Éclat Beauté, c'est le premier numéro, les premiers coordonnées d'Éclat Beauté sont en haut. Éclat Beauté fait en gamme caramel que j'utilise pour nous, les femmes noires, pour arranger notre teint. Tout ce qui est végétu, ça ferme, le savon très propre. Quand tu te laves avec le savon Éclat Beauté, tu vois la salité descendre. Le gommage Éclat Beauté, voilà. Le savon de visage, le lait. Éclat Beauté a plus de 6 produits dans la gamme caramel. Éclat Beauté fait aussi comment on appelle ça, en gamme métisse et en gamme blanchisseur. Après, pour les prix, les numéros sont là. Ne m'appelez pas, je ne connais pas les prix. Voilà, je travaille avec Éclat Beauté depuis quelques mois. Ces produits sont très efficaces. On a eu des bons retours. Ceux qui mettent les tchatchers sont contents. Éclat Beauté, mais quand tu la vois, n'a pas de quinto. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc passez vos commandes. C'est très classe. Hein. Voilà, c'est très classe, c'est très propre. Quand tu te laves avec ça, très très efficace. Ça ne chauffe pas. Nous allons continuer. Quand ma gosse soit pointée, il a tapé poteau. Voilà, merci. Il ne s'est pas arrêté là. Je vais m'adresser maintenant au pasteur de Côte d'Ivoire. Oui. Je vais m'adresser au pasteur de Côte d'Ivoire. J'espère que vous êtes là. Petite parenthèse. C'est une petite parenthèse vite fait. J'espère que vous êtes bien positionnés, les pasteurs de Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous demander une seule chose. Tous ces grands pasteurs, que je n'ai pas cité les noms d'ailleurs, mais tous ces grands pasteurs de Côte d'Ivoire, que ce soit grand ou petit, Makoso dit, il est président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Où sont les papiers qui prouvent? Vous venez qu'il bosse pour dire qu'il ment. Mais venez dans la place publique pour nous dire que Makoso ment. Il vous vend comme du bétail. Bon, les petits pasteurs, il les vend. Et il s'assoit sur Facebook pour dire que lui, il est pasteur. Il est président de tous les pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire. Et aucun de vous ne sort pour démentir. Makoso dit qu'il est président des pasteurs de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'église. Yeah. Vous jouez à quoi, hein? Ou bien c'est vous qui lui donnez l'autorisation pour venir parler de Dieu comme ça? Parce que c'est ça, à cause de Makoso seul là, beaucoup d'hommes ne veulent plus aller à l'église. Oui, et c'est à cause de Makoso lui seul, beaucoup de personnes refusent d'aller à l'église. Surtout l'église de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas prendre votre vote, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre les choses en main. Vous ne pouvez pas prendre les choses en main pour mettre ce monsieur là en prison. Il est en train de voler sur le dos des pasteurs. Maintenant, c'est sur les blogueurs. Nous, on a la bouche pour se défendre. Nous, on casse les papos. Hein. Nous, on n'est pas dans la Bible. Alléluia, amen. Nous, on casse les papos sur Facebook. Donc les pasteurs de Côte d'Ivoire, réfléchissez. Parce qu'on va s'asseoir sur vous. Vous êtes l'île. Attrapez-le. Il secouille-le. Il est président de quel pasteur de Côte d'Ivoire? Bien sûr. Où est le papier qui dit qu'il est président? C'est où? Où est son église? Bien sûr. C'est tout ce qu'on vous demande. On va continuer. Le petit Sénic Ramba, pendant les histoires Côte d'Ivoire-Cameroun, il a fait une vidéo. Moi, j'ai vu la vidéo, j'étais choquée. Il a fait une vidéo où il a insulté le président du Cameroun. Makoso sait que dans cette histoire-là, il est en train de perdre ses abonnés. Il a même pas cause d'abonnés même. Il est en train de perdre sa crédibilité auprès des internautes, auprès des Ivoiriens. Donc Makoso prend la vidéo de Sénic Kraba et il va porter plainte avec ça chez le président de la chez le procureur de la République. Et ils ont mis Sénic Kraba mandat d'arrêt. Où je vous parle, le blogueur Sénic Kraba s'est retrouvé au Ghana à cause de qui? Makoso. Donc c'est Makoso qui est là. T'es la Côte d'Ivoire Cameroun, t'es l'allumé. Laissez l'allume, Johnny Pacheco qu'on l'allume. Et comment il s'appelle le gars là? Qui est aux États-Unis, on entend le patra. Il est en train de perdre ses abonnés. Il n'est pas
sa colère sur un jeune blogueur, enfant de pauvre, comme, comment il s'appelle, Seni Kramba. C'est Makoso qui s'est levé. Quand il vous dit qu'il n'aime pas les Ivoiriens, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont cité notre président, hein, mais eux, on ne les a pas arrêtés. Oui, parce qu'ils ont compris que c'était un game de football. On était sans l'heure dans les injures. Mais Makoso se lève. Il représente le Cameroun, moi. Il représente le Congo, moi. Il est président de Côte d'Ivoire. Il allait porter plainte contre Seni Kramba. Et le procureur de la République a pris ça en note. Oui, il a pris ça en note et ils ont mis mandat d'arrêt. Seni Kramba, il s'est passé exilé au Ghana. Donc, à cause de toi, Makoso, les enfants de la Côte d'Ivoire vont aller s'exiler dans les pays voisins à cause de toi. Si on t'a laissé. Hé! Hey, c'était avant que tu faisais peur. C'était avant ta soeur faisait peur. Maintenant, là, vous ne faites même pas peur à une mouche. C'est pas peur de... On le dit là, vous ne faites pas peur à une mouche. Tes relations, tu prends pour que tu abuses ton pouvoir. Là. Nous, on est ici, c'est même comment aligner sur toi. Et puis, il n'y a pas l'homme. Oui. On clôturer les mêmes conduits de ta gueule. Va me porter plainte. Il y a moins un voleur comme toi. Tu allais dénigrer Didier Drogba. Didier Drogba, la légende, tu allais le dénigrer. Tu allais dénigrer ton propre frère Daï Soko. Dans le de Samy Leto. Parce que tu as faim. Tu es comme un chien qui aboie. Qu'on lance off de poulet, tu es toujours prêt à manger. Tu vends tes frères blogueurs comme du bétail. Tu vends tes frères. Comment on appelle ça? Les pasteurs de Côte d'Ivoire comme du bétail. Tu vends tout. Tout pour toi, rien pour les autres. Toi, tu parles de père. Voilà tes frères ici à la diaspora. Qui sont très déchirés sur les réseaux sociaux. En tant qu'un pasteur sans église, sans Bible, sans huile d'onction, tu es incapable, je dis bien incapable de nous réconcilier. C'est pour ça que je comprends maintenant. Même vous les blogueurs, c'est vous qui êtes les maudits. Vous les blogueurs de la Libye, vous êtes tous des maudits. C'est les signes qui a dit ça. Sondez les faits directs, vous êtes des moutons de Makoso. Il vous a tous sacrifié dans son canari. Il vous a pris votre chance. Vous n'avez plus de visibilité, vous n'avez plus rien. Il vous a marabouté. Il a encore dit, vous, et puis j'ai votre vie ici en Europe. Il est en Côte d'Ivoire et j'ai votre vie en Europe. Il vous promet le ciel et la terre. Et vous, votre vie ne change pas. Au lieu de chercher à travailler, vous êtes là, président d'honneur. Restez là. Il va vous utiliser comme du bétail. Il va vous utiliser comme quand il a fini, il va vous jeter. Wayaï. Vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Au moins, il va abuser de vous jusqu'à... Il va vous presser. Il n'aura même plus de jus, de sperme en vous. On peut être bête comme ça. On est ici à la diaspora. Au lieu qu'on va se réconcilier. Comme ça, là, quand la Côte d'Ivoire a besoin de nous, on est là, on est prêt. Ou bien quand les gens ont besoin de nous, on est unis, on est soudés. Non, hein. Il vient nous divise. C'est lui. Remarquez bien. Écoutez bien le dilemme de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a dit quoi? Il a appelé à 4h du matin pour qu'il n'a qu'à clasher à Poutou. Il court dans les inbox des blogueurs. Oui. Il court dans les inbox des blogueurs. Comment tu peux prendre un grand politicien comme Johnny Pacheco? Hein? Pour qu'il n'a qu'à venir clasher celui que tu as appelé ton fils hier à Poutou. Un enfant qui vient de commencer le blogging. Tu as peur de lui quand tu envoies Johnny Pacheco venir le clasher. Tu as même rentré en contact. Deuxième publicité de Londres. Comment il s'appelle? Le gars des États-Unis. Tu rentres en contact avec tout le monde. Ils ont clashé le petit, sauf Johnny Pacheco. Pantalon. Il a clashé. Il n'arrête pas de clasher. Gaga Pantalon. Quand maman d'Apu disait que c'est toi qui as la base de ces injustes, c'est vrai. Comment tu peux envoyer un roubi qui n'assume pas sa sexualité pour venir insulter une maman jusqu'à rentrer dans son caleçon? Et toi, tu dis que tu es pasteur, tu es dans leur camp. Tu as pas une tilapia. Le poisson le plus top. Le poisson le plus tonton, le poisson sans goût, sans papier. Un poisson sans papier. Parce que même en France, les animaux ont les papiers. Un poisson sans papier. Tu l'envoies venir insulter les frères. En tout cas, c'est insulter entre nous, blogueurs. Et tu es assis dans ton fauteuil royal de sorcier et tu apprécies. Ça qui te fait jouir. Dans même Libyès, tu as envoyé bouche de chabot pour venir insulter mon enfant, la menacer de mort. Quand tu es sorti faire ton direct. Quand tu as vu que toute la Côte d'Ivoire, toute la toile s'est levée pour me défendre, tu ne t'attendais pas à ça, tu ne pensais pas que les gens me m'aimaient à ce point. Tout ce que tu as dit, que la fille a ses raisons. Parce que je défendais un cadeau, elle a ses raisons d'insulter mon enfant. Un pasteur. Pourtant, une femme qu'il appelle mon ancienne présidente là-bas, elle a lavé ton enfant. Moi, Lessie, il a tapé la main sur le tabac. Je n'aime pas le mensonge. Mais ce n'est pas pasteur. Mon père n'est pas pasteur, ma mère n'est pas pasteur.
Mais j'ai un cœur d'ange. Et toi, tu as un cœur de démon. Dans ton camp que tu as créé, qu'on appelle la Libias, vous passez votre temps à insulter les mamans, les enfants, les calissons, les conjoints, les pétous, les cons, les testicules. Tout ce qui est mauvais. Tu penses qu'à un moment donné, les personnalités, les footballeurs, ils vont pas se mettre en question. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, son camp là? C'est toujours les esprits de maîtres qui traînent là-bas. Tu es en Côte d'Ivoire et tu gères la vie de certains blogueurs dans ton camp que tu appelles la Libias. Tu profites d'eux. Tu les malmènes. Tu les fais croire que tu vas envoyer Ado, tu vas envoyer Gbagbo, tu vas envoyer Sorodjom, tu vas envoyer tout le monde pour aller parler à eux. C'est ce que tu les fais rêver. Et les pauvres, ils sont comme du bétail. Ils n'ont plus de personnalité sur Facebook. Ils n'ont plus de cœur. Ils sont en train d'insulter. Ils sont là comme des sauvages ambulants. Ils travaillent pour toi sans salaire. Et tu ne les payes pas. C'est ta bouche. Tu l'as reçu à les amadouer, à les marabouter, à les marmailler. Et tu pensais aller dénigrer Drogba chez Samuel Eto'o. Samuel Eto'o t'a montré que tu n'es rien, man. Ta marmaille, ça prend que des bellas comme les tilapia. Ça prend que les houbis ratés comme les pantalons. Ça prend que les cuisiniers pakistanais. Ça prend que les bordels de Belgique. Ça prend que les bouches de chameau. Mais Zagadou Production, l'esprit 5 étoiles. Ah, connaît pas. Ah, dis-moi, si Mami Wata, tu es pasteur, viens me délivrer. Si tu as pile en bas de toi, viens me délivrer. Je dis, moi, je dis que c'est Mami Wata. C'est pas que je suis Lucifer qui fait un genre, un genre. Je suis Mami Wata. C'est que de poisson seulement qui me reste. C'est que de poisson seulement qui me reste. Sinon, moi, je suis le diable en personne. Viens me délivrer. Tu as compris que ta marmaille ne me prend pas. Ça ne peut pas me prendre. Et si quelqu'un paye, il ne me mélange pas avec toi. Il ne me mélange pas aux sorciers. Il ne me mélange pas aux profiteurs. Comment tu peux te déplacer? Ça met le temps de faire confiance pour parler de paix en blogueur, pour abaisser les esprits. Nous-mêmes, on était intelligents. Sans ça met le temps, sans toi, on a commencé à parler de paix. On a dit pardon. On a commencé à baisser les esprits. Et des blogueurs camerounais ont fait comme nous. L'histoire est morte. Mais toi, tu te déplaces de l'Afrique de l'Ouest pour aller en Afrique centrale, pour aller vendre des drogues. Mais toi, on doit t'attacher puis te chicoter, man. Toi, tu es un élément à craindre dans la Côte d'Ivoire. Mais les gens que tu comptes sur eux aujourd'hui, et puis tu es là, tu as le droit d'aller chez Adou Richard, ton temps va arriver. On va s'attraper en flagrant délit. Tu sais que les hommes politiques là, quand tu es à côté d'eux, tant que tu les arranges, tu es là. Ils attendent seulement. Ils te disent en même temps. On dit de te dire. On t'attend. Lui, on t'attrape en flagrant délit, en train de faire un faux truc. Tu as Nimikaba. Ils vont même pas te. C'est-à-dire que tu n'as même pas avoir jugement. Tu as Nimikaba, puis ton temps arrive. Tu entends pleurer, tu pleures. Tu sais la pression que tu as. Sorcier ambulant. Moi, ici, viens me porter plainte. Merde, con au passage. Ça chauffe pas. Quelqu'un qui dit va t'habiller, mais pas m'habiller, c'est ton problème. Aïe. Même quelqu'un qui n'est pas pour t'habiller, il va t'habiller. Chien. Cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Voilà. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater. Parce que vous me dites, oh, laissez, on parle de notification. Ma page est restreinte. Ma page est gâtée. Elle est en mode rouge, rouge. Donc, cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Et puis voilà. Mettez beaucoup de likes. Parce que Facebook prend ça en compte. Oh, yeah.
Que Samuel le tout regarde. Pas Samuel, ça va. Il sait que tu as le faux profil. Ouais, c'est une petite fille. Faut passer par moi. C'est moi qui veux gérer la paix. Pas ma cause, c'est un escroc. Oui, Samuel le tout me regarde. Moi, la personne qui m'a appelé. Samuel le tout me regarde. Petit fille, quand ton temps arrive, tu ne presses même pas. Les gens t'appellent le tout, c'est que hey, la Samania est. C'est quoi la Samania est douille, mais je ne travaille plus, reste à Facebook. Facebook paye bien. Qui veut venir bloguer comme moi? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Didier Drogba. Didier Drogba qui me regarde. Didier Drogba. Maf, je suis une star. Salut Patrice Abbé. Salut Patrice Abbé. Sadogo. 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 Sadogo.